Salut, c'est Lina Bekish et je fais cette vidéo pour les Marocains. Donc désolé les francophones, vous n'allez pas tout comprendre. Donc je vais parler d'un sujet qui buzz actuellement au Maroc. Ouais. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Je vais vous donner un indice. Un indice. Oui, bravo! Le film qui parle de prostitution au Maroc. Oulala, 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 prostitution au Maroc. Bah oui, c'est vrai que la prostitution au Maroc, ça n'existe pas. Le Maroc, c'est top. Pas de chômage, pas de prostitution, les hôpitaux sont nickel, pas d'analphabète, l'éducation système au top, plus haut, c'est le soleil. Et comme ce film, qui s'appelle d'ailleurs Zin Lefik, salit cette image fantasmagorique, et ben le ministre de la communication l'a censuré, avant même qu'il soit sorti. Bien sûr, comme à son habitude, il a encore une fois été clair. Et il a précisé que ça a été fait par les autorités compétentes. Sans oublier que le film a quand même été tourné au Maroc. Donc ils ont eu une autorisation. Le projet avait été validé. Puis quand ils ont commencé à lancer une bande-annonce, 6 minutes je crois, et que les Marocains ont vu ça, ils ont été outrés. Ils sont sortis dans la rue, ils ont manifesté. Vous salissez l'image de nos femmes, vous salissez l'image du Maroc, blablabla, blablabla. Bla bla. Oh, si tu veux te révolter contre quelque chose, prends ton cul et va te révolter contre la prostitution. Pas contre le film qui dénonce la prostitution. Non. Oui, le Qahab existe. Bien sûr que le Qahab existe. Bien sûr que le Qahab El Souada existe au Maroc. J'en connais, j'en vois, tu en vois, ta mère en voit, ton père en voit, tu sors en bas de chez toi, tu les vois. Ça te choque pas? Non. T'as un problème avec la fiction, le film, mais pas la réalité. Hypocrite! Et le langage utilisé dans le film vous a choqué. Hypocrite! Et quand vous regardez Californication, ou Game of Thrones peut-être, eux ils parlent bien, hein, ils parlent un langage soutenu. Mais non, mais c'est pas grave, on s'en fout, eux c'est des Américains, c'est pas des Marocains, ils ont le droit. D'autant plus que c'est un film qui parle de Qahab. Vous croyez que les Qahab elles parlent comment? Mais elles parlent en disant Zem, les Qahaba, yallah, Qahabo, c'est les Qahabé, je sais pas quoi, c'est normal. نصاب كرك فاش كتهضر مع صحابك كتقول لهم زبير قلاوي طبون وكر عندك تاع الساطه ما كراش نضرب لك شي حويه اي فو فيني ابري فو انديني دو توت فاصون لو فيلم است كون الي فو منوتي كوم سا اي فو بوزي دون لا سال دو سينما لي زو غران توفير بحال هكا اون الي فو دير وتفرج تفرج تفرج دين امك تفرج قلت لك نو tu veux le regarder tu le regardes tu veux pas le regarder tu t'en bats les couilles tu restes chez toi. Et tu fais pas chier ton monde. Et puis franchement, quand on sait que le Maroc il est dans le top 5 du matage de porno, on ferme sa gueule. Hypocrite! Et j'ai aussi vu des pages Facebook qui incitent au meurtre du réalisateur et de l'actrice. Alors attention, faire un film sur la prostitution, c'est mal. Mais par contre, le meurtre, c'est bien. Ouais, heck! Ces mêmes personnes qui vont sûrement aller télécharger illégalement le film, Bachir Dargou Ali Echit Kfita, ou deux, El Kfeitia. En tout cas, grâce à ce réalisateur, bah, j'aurais au moins eu un film marocain qui a marqué mon enfance avec Ali Zawa. Pour conclure, comme dirait l'autre, l'art n'a que faire de l'image qu'un pays fantasme de se donner. Allah y'aounkoum.